Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Alibaba et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Commençons maintenant dans le vif du sujet. Comment gagner de l'argent avec Alibaba? Donc de nombreuses personnes connaissent AliExpress, mais peu de personnes connaissent tout simplement Alibaba. Donc quelle est la différence entre Alibaba et AliExpress? Donc AliExpress, c'est plus tourné vers le B2C, donc business to consumer. Donc les personnes en particulier qui veulent acheter des choses en e-commerce via le site directement AliExpress. Ensuite, Alibaba, c'est la version AliExpress, mais B2B, donc business to business. Et vous allez pouvoir acheter des plus grosses quantités sur Alibaba plutôt que sur AliExpress. Bien évidemment, les deux sites se ressemblent beaucoup et font partie de la même entreprise, de la même entité qui est Alibaba, fondée par Jack Ma. Donc, on va voir au cours de cette vidéo comment gagner de l'argent avec Alibaba.com et comment vous allez pouvoir réaliser du profit en faisant ce que l'on appelle du dropshipping. Du dropshipping, pas avec Shopify, parce que le dropshipping avec Shopify, ça a été vu et revu, mais il y a d'autres techniques beaucoup moins utilisées, comme par exemple du dropshipping grâce à Amazon FBA. Et je vais vous montrer ici comment pouvoir utiliser Alibaba, comment trouver des fournisseurs, comment mettre en place tout cela, comment faire en sorte de créer une boutique sur Amazon FBA. Donc j'ai préparé ici mon écran. Voyons voir tout cela ensemble. Donc nous sommes ici sur mon écran et vous voyez déjà la différence principale entre Alibaba et AliExpress, qu'Alibaba est exclusivement destiné aux transactions B2B directement auprès des fabricants, tandis qu'AliExpress est également ouvert aux consommateurs et vend des articles individuels ou des produits en petit nombre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, on va aller sur alibaba.com. On va choisir une catégorie, par exemple Home and Garden, Construction Real Estate, Kids and Toy, bagages, électroniques, etc. Disons qu'on se met par exemple sur, on va se mettre sur électronique. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur l'électronique. Ou alors je vais mettre sur, allez, Home and Garden. Voyons voir ce qu'ils vendent concernant Home and Garden. Donc là, on a un tas de choses sur Home and Garden et vous voyez que les prix sont vraiment faibles. Si par exemple je clique ici, vous voyez qu'il y a cette balance qui coûte 2,58$. Il y a cette balance de cuisine qui coûte 3$. 3,90$. Donc des balances de cuisine et un tas d'autres choses. Mais disons par exemple que on veuille. Il nous suffit tout simplement de chercher quelque chose qui soit intéressant pour le public dans un premier temps. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait ensuite chercher et vendre. Donc, ce qu'on va faire, un truc simple. On peut tout simplement aller cliquer ici sur balance de cuisine. Ici, cette petite balance de cuisine va nous coûter 3,90€ ou 4, entre 3,90$ et 4,50€ selon la couleur et selon un tas de choses. On peut aller par exemple ensuite sur Amazon et taper balance de cuisine. Balance de cuisine, vous voyez, c'est quelque chose qui est recherché, ça arrive en premier. Et voyons voir combien coûtent les balances de cuisine. Donc regardez, ce sont des balances de cuisine vraiment similaires et elles coûtent 3 fois plus cher, 4 fois plus cher que sur, regardez celle-ci par exemple, elle coûte 12€. Ici, pièce, vous l'achetez, j'en étais où? Ici, pièce, vous l'achetez environ 4€, donc vous allez pouvoir la revendre 3 fois plus cher sur Amazon. Ça, c'est un exemple. Voyons voir s'il y a d'autres choses qui peuvent être
intéressant. Ça, c'est pas mal aussi. Ça se vend très bien en ce moment. Vous avez un mixeur portable. Vous avez un mixeur portable ici qui va être acheté vraiment peu cher également. Et vous allez pouvoir tout simplement cliquer ici sur mixeur. Mixeur portable. Mixeur portable, on devrait trouver le même. Petit mixeur portable. Je le trouve pas encore. Si je mets mini mixeur. Mini mixeur, est-ce que je vais le trouver? Non, j'arrive pas à le trouver. En tout cas, si vous voulez, le concept, il est simple. Il suffit simplement de trouver quelque chose qui se vend bien sur Alibaba, faire des recherches sur AliExpress, sur Ali, faire des recherches sur Amazon, pardon. Donc, l'exemple de la balance de cuisine. La balance de cuisine, on l'achète 4 $ et on la revend 12 $ au minimum sur Amazon. Ça nous fait un profit x3. Ensuite, il faudra payer bien évidemment une partie également à Amazon. Mais en tout cas, c'est de cette manière qu'on va pouvoir réaliser du profit. Maintenant, je ne vous conseille pas de vous lancer directement avec Alibaba. Pourquoi? Parce qu'avec Alibaba, vous allez devoir acheter en grosse quantité. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est une plateforme de B2B, donc business to business. Vous allez devoir acheter en grosse quantité. Et avant d'acheter, par exemple, 1000 unités d'un coup, et vous ne savez pas comment le marché va réagir tout simplement à votre produit, je vous conseille dans un premier temps de passer par AliExpress. Je vous montre ici sur l'écran. Donc on tape AliExpress. Je tape AliExpress sur Google. Ensuite, je tape ici. Et je me retrouve ici. Je vais tout simplement sur AliExpress. Ensuite, je cherche exactement le même produit que j'ai trouvé sur Alibaba. Donc, je peux taper mini mixeur pour voir ce que ça donne. Mini mixeur. Et là, je le vois, ce mini mixeur. Il est juste là. Donc, l'objectif en premier, c'est de passer par AliExpress, d'acheter en petite quantité. Déjà, acheter par exemple un pour vous-même pour pouvoir la tester. Ensuite, ouvrir une boutique sur Amazon grâce à Amazon FBA, donc Fulfilled by Amazon. Vous créez une boutique sur Amazon. Ensuite, vous envoyez une petite quantité. Vous envoyez une petite quantité, par exemple 10 pièces ou 20 pièces. Vous voyez comment ça se vend. Si ça se vend bien, ensuite, on peut aller sur alibaba.com et pouvoir vraiment scaler, acheter 100 pièces, 1000 pièces, 10 000 pièces si ce business fonctionne bien. Mais si par exemple vous arrivez à faire environ 10 euros de profit par produit, si vous vendez ne serait-ce que 10 produits dans la journée grâce à Amazon, ça vous fait 100 euros de profit. 100 euros de profit sur 30 jours, ça vous fait 3 000 euros de profit. C'est exactement de cette manière que fonctionne le business avec Amazon FBA et Alibaba. Donc comme je vous l'ai dit, faites attention, faites les choses petit à petit. Premièrement, trouver un produit qui fonctionne déjà sur Alibaba. Ensuite, l'acheter en petite quantité sur AliExpress. Faire le business avec Amazon FBA. Et ensuite, si ça marche bien, scaler grâce à Alibaba et acheter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'unités. Plus ça va marcher, plus vous allez avoir des commentaires, plus votre produit va être vraiment mis en avant par Amazon et plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, c'est exactement de cette manière que se passe le business grâce à Amazon. Donc, c'est du dropshipping que l'on va faire. Trouver tout simplement des produits qui coûtent pas cher sur AliExpress, Amazon, sur Alibaba, pardon, et ensuite pouvoir les revendre grâce à Amazon FBA. Voilà, les amis, je vous ai montré au cours de cette vidéo une méthode très simple pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Si vous voulez un moyen encore plus simple pour pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année, cliquez sur le bouton dans la description, premier lien dans la description.
qui va vous expliquer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. En attendant les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec une personne qui a envie de se lancer dans le business en ligne, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires juste en dessous, ça aide beaucoup l'algorithme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de regarder également cette vidéo juste ici, et je vous dis à très bientôt, ciao.